suit le SPRAT, un système de pose rapide de travure. Bref, un pont mobile terrestre. Je permets aux véhicules de l'armée de terre de franchir des coupures allant jusqu'à 24 mètres. Je mesure près de 18 mètres de long pour une hauteur de 4 mètres. Tout équipé avec ma cabine blindée, je pèse près de 60 tonnes. Pour me propulser à une vitesse de 70 km/h, j'ai sous mon capot un puissant moteur V8 turbo-diesel de 760 chevaux. Avec mes 10 roues motrices directionnelles, je progresse sur tout type de terrain. Avant de me conduire, il faut être formé. La qualification qu'il faut pour piloter cet engin, il faut un permis poids lourd. Et ensuite, il y a une formation qu'on suit de 3 mois. On a une partie théorique, donc 4 semaines en cours. Ensuite, on a une partie de 3 semaines à peu près en simulateur. Et ensuite, on finit sur une partie pratique sur le véhicule en lui-même. Donc, pour poser un pont moins de 12 mètres, on va utiliser qu'une seule travure. Pour déposer un pont de 24 mètres, on va utiliser deux travures, comme vous pouvez le voir derrière. Si on veut déposer une travure, ça va nous durer 7 minutes 30. Et si on veut déposer un pont long, donc 24 mètres pour une brèche de 24 mètres, là, ça prendra entre 12 et 13 minutes. Donc pour mettre en œuvre ce véhicule, pour pouvoir poser un pont, il faut deux personnes, donc un pilote, opérateur, celui qui va diriger la manette pour pouvoir poser le pont. Et à côté, il faut un chef d'engin qui sera responsable de la sécurité. Pour déployer un pont avec le ponteur, donc c'est simple, on a deux écrans qui nous indiquent tout ce qui se passe au-dessus avec le dispositif de mise en œuvre. Donc il y aura l'assemblage qui va se faire automatiquement. Mon rôle ici, c'est vraiment de surveiller qu'est-ce qui se passe sur les écrans et de vérifier que les cotes sont bonnes. Si je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, j'appuie directement sur le bouton pause et ensuite avec le joystick j'ai juste à déposer la travure. Donc on a des caméras à l'extérieur qui nous permettent d'avoir un visuel 360. C'est un véhicule avec une excellente mobilité, il peut passer pratiquement partout. Ce véhicule a été déployé au niveau national et il a aussi fait quelques missions à l'extérieur. Vous l'aurez compris, je suis unique en mon genre. Je suis mis en œuvre par les sapeurs du 13e régiment du génie. Leur devise, à me suivre, tu passes.